Comme étiré. Ce séjour n'en finit pas. Je suis comme prisonnier à l'intérieur même du journal filmé. 10 jours de mon existence d'il y a 32 mois deviennent 9 semaines dans le temps d'aujourd'hui. Comment échapper à ce processus qui semble incontrôlable? Plus je filme, plus j'accumule des rushs dans les disques durs et plus je creuse l'écart entre le moment de la prise de vue et celui de la diffusion. Cercle infernal, que faire? Arrêter de filmer? Effacer les fichiers numériques? Oublier des jours? Couper des scènes? Réduire? Accélérer? Ralentir? Accélérer? Réduire? Accélérer? Ralentir? Accélérer? Le cinéma est une machine qui vient bousculer l'ordre des choses et du temps, qui vient bousculer l'idée même du continu et du discontinu. 25 fois par seconde en vidéo, l'œil humain est trompé, il croit percevoir un mouvement là où il n'y a qu'une succession d'images fixes. Le cinéma n'existe que parce que l'œil ne possède qu'un pouvoir de séparation étroitement limité dans l'espace et le temps. Je reprends les mots de Jean Epstein. Le cinéma, et donc le journal filmé, n'existe pas en dehors de la vision du spectateur. L'illusion, le fantôme, n'existe que lorsque nos cerveaux élaborent la continuité subjective du film. Peut-être est-ce le même phénomène qui nous permet jour après jour de reconstituer une forme de continuité, de persistance de nos existences à partir des morceaux de souvenirs éclatés, des myriades de présents que nous avons traversés et qui s'impriment dans notre corps, en dehors même de notre volonté. Le journal filmé est le lieu où surgissent ces questions qui reste souvent sans réponse. Un film qui perd son M et qui devient un fil qu'on aime tirer, rembobiner, débobiner, nouer, filer, filmer. Dans le dos, toujours plus. Ok, bien. Fantastique.